Et bonjour à tous, c'est Brian surtout pour une nouvelle vidéo pour sur Watch Dogs 2 pour l'épisode 17. Alors, on continue notre let's play. Alors normalement c'est cette mission là. On va parler, j'espère. Quoi de neuf, Ray? C'est ça. Josh a remarqué quelque chose de bizarre dans les données de Galilei. C'est du code, mais les commentaires sont en chinois. Non, me dis pas que les Chinois ont déjà piraté le backbone satellite? Pas les satellites. Les câbles sous-marins reliant la Chine et les États-Unis. Mais c'est même pas ça l'info la plus énorme. Bloom a surveillé tout le piratage. Josh raconte que les hackers volent des données qu'ils utilisent ensuite pour spéculer à la bourse de New York. Des hackers qui deviennent traders initiés, et alors, c'est pas la première fois que ça arrive, ça? Non, mais écoute ça, le programme utilisé par les hackers. Roulement de tambour, s'il te plaît, Josh. C'est un soft de reconnaissance de forme, et je parie mes couilles que c'est le Bellwether, mon pote. Et Bloom est au courant? Bah, pourquoi ils font rien? C'est pour ça qu'on est là. On n'a rien de solide sur quoi se baser, à part que les hackers chinois ont utilisé leur accès pour autoriser un cargo en route pour San Francisco. Les containers viennent tout juste d'arriver au port. Je vais y faire un tour. Allez, on y go. Ok. On va prendre ça, c'est pas grave. La mission. Zitara, c'est quoi le numéro de conteneur que je dois trouver? LV426. Ah, pas mal. Putain, tu veux tester mes références? Un peu, ouais, j'avoue. Bon, ça commence par SIPU707. Ok, je le vois. Mais il y a d'autres conteneurs juste devant. Il faut que je trouve le moyen d'y accéder. Putain, je suis en portée. On va le laisser là-haut. Et bah, on va rentrer. Oh, je suis pas dans une zone à... pour l'instant, donc je peux y aller. On va le laisser là-haut quand même pour l'instant. On va le reprendre en fait. Hop. Voilà. Pour l'instant. Faut contrôler ça. On n'a pas notre caméra là. Bon.
je vois pas trop. Bien. Oh le truc. Et après? Après pour saisir. Ah. RB. What? Oh, plus ce truc. Ok. Voilà. À comprendre. Hein. Oh putain! Calme-toi! Calme-toi, je t'ai dit de te calmer, bordel! Allez, comment saucisson? Oh sa mère! Petite devinette! C'est quoi qui est chinois et qui fait du trafic d'êtres humains? Facile, les anti-shoe boys. Ouais, bah, c'est du trafic de luxe parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Leur conteneur est mieux que mon dernier appart, putain. Je vais t'envoyer une photo. Reçu. Qui c'est? Et pourquoi il saigne du nez? Model Translate lui a fait un coup de pute. Cela dit, il a pas la gueule d'un chargement ordinaire. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Essaie de retrouver son visage sur le net. Si tu veux mon avis, il a dû aller à l'école s'ils se sont donné autant de mal. Ok. J'essaie les écoles chinoises et je te contacte si je trouve quelque chose. Ok. Oh, et tant que j'y suis, bienvenue en Amérique. Bâtard. Bâtard. Marcus, j'ai trouvé ton gars. Ça donne quoi? Diplômé de la Shanghai Jiao Tong University. Il a un double master en statistique et commerce. Pro de l'analyse quantitative. Le profil parfait pour bidouiller les marchés boursiers. En clair, les anti-shoe boys sont à fond dans le business du trading. J'ai un contact à Chinatown qui connaît les anti-shoe boys. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Il t'aidera peut-être à obtenir des réponses. Hop là. On y go. Hey, tu connais ce mec? Ah, bah bravo, super comme attitude. Écoute, je sais que c'est les anti-shoe boys qui les font entrer. Je veux savoir pourquoi. Non, je le connais pas. On se connaît pas tous, tu sais. Sitara m'a dit que tu pourrais m'aider, alors donne-moi quelque chose. Eh bah, fallait le dire tout de suite. Anti-shoe a un bureau dans l'entreprise d'import-export sur Gold Street.
Leurs registres sont là-bas. Hé, hey, tu diras à Citara qu'on les quitte maintenant. Ouais, merci. Bon, ça me casse un peu les couilles quand même. C'est pas ça, mais bon, passer 3 ans sur une mission, c'est pas mon délire. Pourquoi je passe 3 ans sur une putain de mission? Peut-être passer ici, on va changer d'endroit. Mais le mec, c'est impossible qu'il me repère. Hein. Dis-moi ce qui se passe. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Bon voilà, encore niqué. Bon en fait, on va faire une mission, c'est ça quoi. Putain, fais chier. Ah, ça commence à me saouler. Parce que là, je peux passer par où, bordel? S'il faut, je rentre là, mais ouais, je rentre où par là? C'est dans le bâtiment. Là, dans le bâtiment là? La porte, je peux pas la voir. Putain, il est où le truc? Putain de merde. Il faut que je fasse là-bas. Il faut que je fasse tout le tour. Oh merde! Toi, au revoir. Comme ça, je rentrerai en plus. Merde, le chien. Pas c'est voilà, c'est prometteur ça. On va voir ce que tu caches. T'as trouvé quelque chose? Des documents. Tu lis le chinois? Non, mais les cartes et les graphiques, je sais les lire. Des cartes et des graphiques de quoi? Un parc de serveurs flottants. Des nœuds informatiques, des générateurs, ils sont dans les eaux internationales près du câble sino-américain. Ça pas fait mal. Des années que la flotte du Pacifique chasse les bateaux et les sous-marins de la zone. Mais ça fait une grande surface à couvrir. Sauf quant à leurs coordonnées. Merci les Anti-Shoe Boys. Super, maintenant tire-toi de là. Ils peuvent pas nous échapper. Tout ça maintenant. C'était trop con. En fait, c'était tout con. Putain, je suis trop dégueu. Passer des heures juste pour 2 secondes, j'ai réussi. La péniche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur, en espérant qu'on trouve pourquoi Bloom permet à des types d'utiliser son Bellwether en bourse. Le souci, c'est qu'elle est hyper loin. Ok.
La péniche est pas reliée au site OS. Elle doit utiliser les protocoles chinois. Ben, je vais t'arranger le coup, mon gars. T'inquiète, de mon côté, tu seras raccordé. Mets ton téléphone dans un lieu dégagé. Je t'envoie les coordonnées d'un phare à Marine. Ah, si t'as une minute, pense à lever le nez. La vue est magnifique. Ah bah, on y go. Ah ouais, quand même. Wow. Je suis pas prêt, on aura le temps pour essayer ça. Parce que là, je sais pas du tout. Ah bah, ça sera peut-être un peu plus long que les autres, à mon avis. J'ai mis quand même 2 secondes à faire la mission là, donc ouais, bon, je regarderai. Même si en vrai j'ai mis trop longtemps parce que bah voilà, j'ai loupé plein de fois. On verra bien. Tagué sur hop sec, c'est une mission à faire, taguer tous les trucs. Faut aller qu'on monte. On va prendre un quad, ce sera plus simple. Et voilà, bon, on est arrivé. Et c'est là-haut. Comment on monte là-haut? Voilà, tout simplement. La mission. Ok, j'y suis et je suis prêt. R.A., tu déconnes pas pour la vue. Je déconne jamais, amigo. Oh ouais, commencez pas, vous deux. C'est bon, Ray? Ouais, les protocoles sont prêts. Allons voir ce qui se passe dans cette péniche. Tu vas faire quoi? Si j'ai bien déchiffré le plan, et c'est le cas, il y a des caméras faciles à pirater. Je vais regarder ce qui se passe. Et après? Je lui pirate la gueule. Faut juste que je trouve comment. Putain, c'est dingue. J'adore. Je veux mettre la main sur leur serveur principal, mais pour ça, faut qu'on le rapproche. Allez, j'y vais.
Allez, arrête de nous faire mariner! Qu'est-ce que tu vois? Putain, on n'a pas affaire à des nazes. Il y a du matos, je vous dis pas. Je vois aussi un terminal d'admin, mais va falloir que je fouille un peu pour trouver les identifiants. Ah bah voilà. Ce sera plus simple avec ça. Attends, je vois comme des jouets là. Du genre pour Josh ou pour Sita? Le genre qui marche sur batterie et que je peux commander à distance. T'es en train de te foutre de ma gueule. Attends, faut que j'arrive à sortir d'ici. Le problème, c'est que je peux pas sortir d'ici. Putain de merde. J'ai trouvé le mot de passe. Parce que tu lis le chinois, toi. C'est une séquence numérique. Ça coûte rien d'essayer. Attends, je peux reprendre ça. Je sais pas pourquoi je peux pas Là. Les mecs. Ok. Terminal. Pour ça, je sais pas comment. Faut short ça, mais comment on fait? Comment on fait pour sortir de l'autre? Comment on fait? Faut que j'accède à là. Là. Ok, c'est bon. Bah voilà, c'est ça que je voulais.
pièce importante. Voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case « se souvenir de moi ». J'ai trouvé un nom d'utilisateur. Ok, bon. Je crois que j'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau. Super. Maintenant, reviens au terminal d'admin. Couillon. Je suis dedans. Et t'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage? Essaie de détraquer leur jauge. Ils penseront qu'il y a une fuite. Ouais, bonne idée. Ok, les jauges de carburant sont détraquées. Du coup, ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler. C'est bien joué, ça. Il y a un bateau qui t'attend au quai de marine. Ok, nickel. Nickel, nickel. Mission accomplie. Non, on n'est pas suicidaire non plus. Mais non, je sais pas. Attendez, un truc. Je vais le prendre. Ok, voilà. L'autre, il a pas peur. Non, pas là. Donc on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, mon Twitter, si vous êtes à ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. C'est un très grand plaisir. Et nous, bah, on se retrouvera pour un prochain épisode de Watch Dogs. Allez, salut.